Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau gameplay sur Warzone, le Battle Royale de Call of Duty Modern Warfare. Petite vidéo aujourd'hui, petit gameplay, petite vidéo. On a essayé de faire le Bunker 11. Bon, malheureusement, vous allez voir que la game ici présente va passer plus en game rush qu'en game bunker, vu que je ne comprends rien aux Russes. Et voilà, faut que je m'entraîne un petit peu encore sur le russe. C'est pas facile, hein. Pas facile du tout le russe, les gars. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Du coup, petit gameplay qui va se terminer en cast. Voilà, avec un petit tour au goulag. Parce que bah forcément, on essayait de faire le bunker. Malheureusement, on n'a rien compris. Et puis après, enfin, un moment où j'ai compris. J'ai vite vu que les téléphones ils étaient 10 fois trop loin, ça a rien d'essayer. Donc du coup on tente de rush, on meurt et on ressort du goulag et là c'est Bagdad. Bon voilà, chouchou les potes, force à vous, éclatez-vous bien en regardant le gameplay et voilà, chouchou, force à vous les potes. Préparez-vous correctement, on y est presque. J'ai l'impression d'avoir plus de shoot quand. On te joue avec. J'ai toujours joué avec. Ennemi déployé dans la zone des opérations. Je sais pas, LOL. Il s'est pointé en mode DTR gros, il est rentré chez Samir lui. Mais non, joueur PC, il triche pas tout le temps, wesh, sans déconner. Bon, fini de jouer. Passons aux choses sérieuses. Il y a beaucoup de Bambi hein, aussi, hein, avec les joueurs PC. Hein. Crois pas. Hein. Il y a beaucoup de Bambi aussi. Après, voilà. Hein. Et quoi, apparemment, celui-là, c'est un vrai. Allez, check celui-là. De ce que je vois. Ah non, c'est pas là. Ce serait où du coup? TV station. Clac, clac. Ici là, ce serait là. Ce serait ici. On va aller là-bas. Si on peut au moins avoir le code, les gars. Au moins que j'essaye de parler russe une fois. Mais va niquer ta mère, toi. Tirer comme une chouin là. Ouais, bah écoute, après faut avoir des coronets, moi, comme j'ai envie de te dire, tu vois. Donc, les mecs qui ont des coronets qui activent le crossplay, tu vois. Que les mecs qui ont des couilles. Voilà, c'est ça la vérité. Pourquoi il t'a tiré dessus? Bah heureusement qu'il m'a tiré dessus, sinon. Heureusement, il devait être derrière moi, pile poil dans la ligne. Je devais être pile poil dans l'axe. Heureusement qu'il m'a tiré dessus. Ça c'est le but du jeu, hein. Moi je le fais à d'autres, il y en a qui me le font, voilà. Ça on peut rien y faire. Tu peux tirer quand t'es en train de sauter. Bon, on va au moins essayer de se trouver une arme. Où est-ce qu'il est, le con?
sais, il n'y a pas que des tricheurs. Hein. Il y en a qui ont un vrai shoot, tu vois. J'ai rien compris. Vous comprenez le russe, vous, les gars? J'ai compris le 7. Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Boy team. Attends là, faut que je prenne mon petit traduction, les gars. J'ai rien capté de ce qu'il disait. Ça veut rien dire, ça, Warrior, wesh. Moi aussi, je le fais à des mecs, genre. Ça a déjà joué à Warzone, tu sais que c'est largement faisable. Attends, c'est où là déjà qu'il y a les traductions et tout? Là, je crois que c'est sur celle-là. Non, c'est pas sur celle-là. Voshim. Alors c'est 8-7. Alors pour moi ça donne 5-8-7. Les 8 il a... Oh là là. Le 8 il est à l'hôpital. 7 aéroport. Bon vas-y, laisse tomber son trollogne. J'ai vraiment des armes claquées là par contre. Bon pour cette game c'est cuit. Oh la gueule de mon shoot. La mise hein. Il avait exactement le même snipe. Je touche rien au snipe. Tête de ma mère gros. Il me l'a bien mise hein. Bien profond hein, cet enfoiré. Soit vous gagnez et vous repartez au combat, soit vous perdez et tout s'arrête ici. Vous y êtes soldat. À vous de jouer maintenant. Mais ouais, on vous renvoie au combat.
Bien sûr qu'on me renvoie au combat. Aïe aïe aïe, c'est plaisir Sina. Comment je kiffe voir ces petites emotes là. Maman. Elle me ferait presque bander mon vieux. Mais ouais, on a pas de shoot nous. Je l'ai entendu, hein. Mais j'ai dit que je l'avais entendu, hein. Recevez leader. On demande un survol de reconnaissance. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Ouais, bien sûr, Giotto. Y'a pas de soucis, mec.
Fais-toi une petite pub, je te l'autorise. Vous me recevez, leader? On demande un survol de reconnaissance. Un drone arrive sur zone. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Par ici, venez. On va attendre la prochaine. On est déjà sur une 9 kills. 15, on approche. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Vas-y, faut qu'on crosse, hein. Faut qu'on crosse. Bah écoute, si les gens le font, mon pote, voilà, hein, j'attends. Hein. C'est que tu l'auras mérité, tes abos. Il est sérieux lui? Ça se passe comment? Je sais qu'il va arriver derrière moi ce bâtard. Envoyez un appareil pour reconnaître la zone. Un drone arrive sur zone. Comment il bug lui? Ah, comment il bug? Ah frère, achète-toi une co hein, quand tu penses. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Quand il pensera, gros, hésite pas. Hein. Connexion, ça existe. Hein. Drone ennemi au-dessus. Wesh. Petite 10 kills là pour l'instant. Fais zizir mon vieux. On a une frappe en rab. 15, on approche.
nouvelle zone de sécurité identifiée. Drone ennemi au-dessus. Se rapproche. La cible est marquée. Commencez la frappe. Ici l'odeur de zéro. Bien reçu. Frappe à dispersion envoyée. Ah gros, il m'a niqué. Ça va aller. On a un shoot solide, hein, frère. Hein. Tête de ma mère. Hein. Il y a la zone approche. Déplacement de la zone de sécurité. Drone ennemi au-dessus. Drone ennemi au-dessus. Ah gros, non! Ah non! Ça c'est pas normal ça par contre, frère. La tête de ma mère. Je mérite pas, gros. Je mérite pas de mourir, gros. La vie de moi, gros. Rah, je suis pas d'accord. Vérité, je mérite pas. Ah, le spec un peu. Dispositif de reconnaissance sur moi. Jarma Jedon. Peut-être pour le top 1. 12 personnes face à lui. Personne dans la zone, ce qu'on peut voir. Il est stylé son thermique par contre. Il cherche ses ennemis. Voir deux personnes ici. Regarde son capteur. 30 balles dans sa M4. Énormément de hauteur par contre. Il en reste plus que 10. On va avancer progressivement avec la zone. C'est de céder du... Voilà, des bâtiments, des arbres et tout. Se cover au maximum. Qui push. On peut
peux voir, il est traqué. C'est en menace 2. Peut-être il va passer en menace rouge. C'est prudent, notre Jarmageddon. 4 kills. Très très prudent, l'ami. Menace 3 barres pour lui. Bon là, l'argent va lui servir à rien, il y a plus de shop. Il est obligé de faire des kills, Jarma. Personne sur le capteur. La menace qui s'est un peu affaiblie. Jarma qui va monter sur le top, en théorie. Menace 3 barres. Personne sur lui. Peut-être essayer de sauter sur le toit rouge. Je pense que ce serait la bonne opportunité pour lui. Il y a un mec en bas de lui. Il l'a pas vu. Voilà, il va prendre le top. Là, là, là. C'est G ça. 1-0. 5 kills pour Jarama. Ça coche d'armure. Jarama qui est à la hauteur sur ses 6 ennemis restants. Et récupérer les plaques. Même s'il est déjà full. Check ton capteur un petit peu, mon pote. Un de ces jours. Pourrait te servir. Là, là, là. Oh là là, le kill easy de Jarma. Au sniper. Le HDR mortel. La hauteur sur Jarma, pour Jarma. Là-bas, il l'a vu. La zone qui va push par contre. La zone qui te push, Jarma. Faut que tu te casses. Aïe aïe aïe. Oh, Jarma qui se cache une cheville. Et on va passer sur la pauvre de qui. Ok. Y'a personne sur le toit. Pour l'instant qui a l'avantage. Un ennemi à gauche. Un ennemi à gauche du bâtiment, on vient de le voir. Parce que middle. Avec couvert. Et ça lui vaudra sa défaite. Malheureusement. 1v2. Pour Prot. Attends qu'il push. Oh là là, il le craque. Face à Mad King. La zone qui revient. 1v1. Pour Mad King. Le 1v1 final. HTK. Oh, c'est pris ça sur le gros. GG. Rien à dire, hein, GG gros. Ouais. GG à toi. J'avais mes 12 kills, putain de c'est mort. Il était pour moi ce top 1 de base. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Non, puis on se retrouve pour un tout nouveau live demain. Force à vous, tchou tchou.